Battlefleet Gothic, c'est vraiment le jeu des combats de bateaux spatiaux dans l'univers de Warhammer 40 000, bourré de références aux combats navals historiques, mais transposés dans un univers de science-fiction avec une bonne dose de fantasy. Au-delà de la fierté de réaliser un jeu avec la licence de Warhammer, c'est encore plus une grande fierté de pouvoir réaliser le premier jeu qui va se faire sous Gathering Storm. Gathering Storm a vraiment bouleversé l'univers de Warhammer 40 000. Cicatrix, une espèce de faille war, traverse la galaxie de part en part et la coupe en deux. L'Imperium est isolé de part et d'autre de cet événement cosmique. Le chaos est partout, l'univers est plus désespéré que jamais. L'idée derrière Battlefield Gothic 2, c'était de faire Battlefield Gothic 1 tout en mieux. Donc ça veut dire plus de factions, ça veut dire plus de campagnes, ça veut dire également de rehausser le niveau qualitatif sur tous ces éléments, mais de ne surtout pas négliger l'aspect in-game et les batailles en elles-mêmes qui constituent quand même le cœur du jeu, avec beaucoup plus de points de vaisseau, donc des combats beaucoup plus épiques. On atteint 12 factions dans Battlefield Gothic 2, toutes jouables en skirmish et en multijoueur dès le lancement du jeu. Alors, il y en a qui sont très importantes, on pense notamment aux Tyrannides ou aux Necrons, mais il y a des factions dans Battlefield Gothic qui ont peut-être été un petit peu moins mises en avant dans le jeu de plateau, mais qu'on a essayé de développer. Et là, je parle plus des Craftworlders Eldar, je parle également des Drukhari, mais c'est aussi la flotte de l'Adeptus Mechanicus, c'est la flotte Tau Merchant. Les autres factions ne sont pas en reste, puisque on a mis un point d'honneur à ajouter bien évidemment également du contenu pour toutes les factions qui étaient présentes dans Battlefield Gothic 1. On s'appuie sur les figurines pour faire les modélisations. Une grosse différence, c'est que évidemment les figurines elles font 10 cm maximum. Donc nous, on est dans un jeu vidéo, il faut ajouter plus de détails. Pour nous, c'est hyper important d'être respectueux de la licence. Je pense que c'est également quelque chose qui se voit. Aurélien et moi, ça fait quand même 25 ans qu'on baigne dans l'univers de Warhammer 40 000. Ça ne nous a jamais lâchés. Et c'est vrai que, voilà, pour nous, c'est une passion qui est quasi viscérale, que ce soit le tabletop, mais même au-delà de tout ce qui peut graviter autour de l'univers de Warhammer 40 000. Je pense qu'on peut ressentir la passion qu'on a mis dedans et l'amour qu'on a pour cette licence. On essaye d'aller vraiment au cœur des choses et d'avoir un gameplay intéressant. Prendre des risques, penser autrement le design de manière globale. Et je pense que ça, c'est ce qui constitue vraiment notre marque de fabrique.